Alpha. Alpha. Oui. Alpha, il manque la valeur de. Parce que les variables A et Z, tu les as déclarées, c'est bien. Mais ils sont vides pour l'instant, ils n'ont rien du tout. Il fallait utiliser. Ah, on devait écrire, il fallait saisir Voilà. les réels Oui, ASL, il fallait. Il après faut. lire ASL. D'accord. Il faut saisir les valeurs avec lire. Saisir les valeurs avec lire. Ah, Et ensuite, maintenant. Ensuite, maintenant, faire les calculations. Et. ah d'accord, je comprends. Et aussi, bon, tu utilises l'instruction d'affectation, pas les deux points, mais soit tu utilises deux points égaux, ou bien, c'est-à-dire, tu fais comme ça. Soit tu fais somme. Tu fais somme comme ça. Bon, tu as mis somme A plus A plus égale A plus Z. A plus Z ou bien tu fais ou tu fais somme comme ça. Alors, c'est comme ça que tu dois faire. L'instruction d'affectation, c'est tu veux utiliser celui-là. Ou bien tu peux utiliser celui-là. L'instruction d'affectation, tu dois faire comme ça, quoi. d'accord. Et ajouter l'instruction lire pour introduire, pour mettre quelque chose dans tes valeurs. Maintenant, connais ton design. Je comprends. Non. Ouais, c'est bon, hein? Voilà, c'était la dernière question. Oui, c'est Bon, on va prendre on va prendre une femme. On va faire homme-femme, homme-femme. Homme-femme, homme-femme. Ça, c'est celui de sorcier. Algorithme calcul variable n cube entier début écrit entre un entier lire n cube ça y est phare sorcier c'est bon hein? C'est bon pour la calcul de n au cube c'est bon maintenant ça c'est la calcul de l'air longueur large RR écrire entrer la longueur. Entrer la largeur, voici l'air. Mais c'est d'accord, hein? C'est d'accord, c'est bon. Les autres, c'est bon. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est bon aussi pour l'air. L'air du rectangle. Maintenant, on passe. Calcul aussi, calcul de note R, mais 4 pi R carré, variable R, constante de pi, 3,14, depuis entrer lire R, maintenant il calcule R, 4 pi R carré. Ouais, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord. Hein. Maintenant, il reste produit somme, différence. On met les variables. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon pour l'exercice 3 aussi, tout est bon, il n'y a pas d'erreur.
Bon, bravo à toi, hein. On va voir Amadou. On va voir le travail de Amadou. Amadou là, ni quoi Amadou, pardon. Ni quoi Amadou, il n'y a pas de Amadou. On va voir le travail de Amadou. Amadou, mon de fait, de non, pété, ça me fait. Tant d'un nom, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? D'accord, il n'y a pas de bon, ça c'est Amadou, l'exode 3, la calcul de n au cube. Oui, c'est bon pour le n au cube, c'est bon. Vous êtes d'accord avec moi? Que c'est bon pour le n au cube? Oui. Ok. Maintenant, on prend. Oui. Ok. Le rectangle, longueur, largeur, hauteur. Maintenant le rectangle, l'aire du rectangle, longueur, largeur, R, entier, longueur, ok, écrire saisir longueur, lire L, écrire, et maintenant R, longueur, largeur. Ok, c'est bon. Et de la sphère. Rayon indien. J'ai mis la constante de pi. Et saisir rayon. Lire R. Écrire le résultat. Ok. Bon, j'ai c'est ma souris là. Maintenant, la somme, pour dire somme, différence, variable nombre 1, nombre 2, somme, différence, produit, tous deux entiers. Écrire, donner deux entiers. Ah, super. Bon, bravo à Amadou. Hein. Amadou, il a trouvé tout le Lego 6-3 lui aussi. Hein. Félicitations. Ah oui, si il a trouvé tout l'existoire. Hein. ouais. Est-ce que tu y connais? Je m'en je m'attendais même à ça. Mais rien, cher gars. Mais pourquoi vous demandez si vous avez le café? Et le café, t'as vu ça? Je vais m'arrêter. Mais Marie, vous voulez défendre? Marie, vous voulez défendre quoi? Vous voulez me faire un peu de temps là? Je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. Allez, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord.